dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Chers amis et fidèles auditeurs d'RVL, bonsoir, merci d'être toujours à l'écoute d'RVL ou merci de nous rejoindre si vous venez vers nous. Vous êtes toujours sur les 103.1 de la radio RVL à Épouville. Et ce soir, vous êtes avec Claude dans l'émission Country Valley. Et on va essayer, comme d'habitude, de vous faire plaisir comme nous on se fait plaisir à préparer cette émission. Eh bien, nous allons démarrer de suite avec les Slow Horses, groupe de country allemand fondé en 2001. D'ailleurs, on a eu le plaisir de les voir sur la scène de Craponne. Leur album Cross That Line donc avait été élu meilleur album de l'année par la German American Country Music Federation. Excellent groupe, comme je disais il y a quelques instants, vu à Craponne il y a quelques années. 6 albums sortis entre 2001 et 2014, c'est du régal. Et en tant qu'on ne les a pas écoutés, eh bien on se fait plaisir et on s'y remet. On part de suite avec les Slow Horses avec un morceau Beautiful Life. I do, I can't seem to lose this weight, and all these easy payments add up to more than I can pay. I keep working and working, but nothing seems to change. I keep climbing and climbing, still I'm stuck in the same place. All of my ambitions, all my secrets to success, never quite came to fruition. Now there's nothing left to do but to try to move on, just to do my best. With the good and the bad cards I'm dealt. Sometimes I have to dig deep down inside me to get to the place where I hear the voice that reminds me it's a beautiful life. It's a beautiful life. Open my eyes, take a long walk out
C'était les Slow Horses, superbe groupe allemand. Eh bien, nous partons sur l'Australie maintenant avec un auteur, compositeur, chanteur, cinéaste. Je parle de Monsieur Dan Sharp. Donc, il signe son premier contrat en 2007. Après une carrière de footballeur en Europe, eh bien, et avoir traversé différents pays, il a voulu y revenir, donc il s'est lancé dans le monde de la country music après avoir pris sa retraite en tant que footballeur. Donc nominé à plusieurs reprises aux Awards, il n'a sorti malheureusement qu'un seul album et plusieurs singles. L'album est excellent, on l'a sous les yeux. Je vous engage à vous le procurer, il n'y en a qu'un, faites vite. Donc on écoute Monsieur Dan Sharp avec un morceau qui s'intitule Nashville, Tennessee. I'm going to Nashville, Tennessee. Monsieur Dan Sharp, et là ça bouge. Eh bien, nous restons sur les US avec Monsieur Jackson Taylor. D'ailleurs, j'ai plus la chance de le voir sur scène puisqu'il était au festival Equi Blues, superbe festival en Ardèche, à ne pas rater. J'espère qu'on ira un jour quand même. Et on remercie notre ami Alain, s'il nous écoute, de nous avoir ramené l'album. Donc, Jackson Taylor est depuis 2001 l'un des
auteurs, compositeurs les plus prolifiques de tous les genres musicaux. Fils d'un ouvrier agricole, il s'identifie plus à Merlaguer ou Buck Owens qu'à des artistes de sa génération. Il a enregistré avec Jason Bolland, avec Del Watson et bien d'autres. Donc on écoute, c'est super ce qu'il fait, vous allez voir, Jackson Taylor avec un morceau qui s'intitule Ball and Chain, Monsieur Jackson Taylor.
Monsieur Jackson Taylor, et nous finit le morceau tout en douceur, c'est du régal. Eh bien, nous partons maintenant avec un artiste, si Nat nous écoute, Jamie Richards. Elle adore sa voix, et bien on va lui faire plaisir, on écoute Jamie Richards, donc cet artiste américain qui a marqué ses débuts, qui a marqué nos débuts, pas ses débuts, les nôtres bien sûr, à Craponne. C'était nos premiers festivals lorsque nous allions à Craponne. Eh bien on s'est fait plaisir avec Jamie Richards, et donc c'est l'artiste qui nous arrive des US et plus précisément de l'Oklahoma. Eh bien on écoute Jamie Richards avec un morceau qui s'intitule Under the Influence. Monsieur Jamie Richards. Whiskey on ice, no neon lights, all red and mean locking horns tonight. I'm trying to be the guy that you knew. I'm under the influence of getting back to you. Old habits die hard wherever you are. It's my first step on the road back to you. Losing some friends, some long overdue. I'm under the influence of getting back to you. Bottom line, your love's so strong. Places to hide. I'm waking up and taking back my life. I'm looking at myself from a different point of view. I'm a Monsieur Jamie Richards, tiré de son album Between These Lines. Eh bien, nous continuons avec
avec The Royce, le frère et la sœur qui sont sur scène. Excellent groupe. Je parle bien sûr de Lee et Helen Royce. Donc, ils se sont fait plaisir dans ce duo américain et nous ont fait plaisir. Leur bluegrass est superbe, donc une entente fraternelle qui fait rêver. Tous leurs albums sont excellents, pardon, et s'écoutent avec un super plaisir, comme nous, on se plaisir à les écouter et à vous les faire découvrir. Donc, on peut vous faire plaisir à volonté, puisqu'ils ont eu la gentillesse de nous faire parvenir tous leurs albums. Super sympa. Et bien, on écoute de suite The Royce avec un morceau qui s'intitule Rain. Thank you.
C'était donc The Royce. Eh bien oui, je vous parle de Bluegrass. Eh bien, le morceau n'en était pas un, celui-ci. Un petit raté, et ils en ont pourtant dans leurs morceaux qui sont excellents. Donc, on aura bien l'occasion d'en réentendre. C'est pas un souci. Donc, nous partons maintenant avec Six West, Abby Powell et Jason Osti. Donc, sont originaires du Canada et ce qu'ils font, c'est excellent. Abby, elle demeure à Calgary, d'ailleurs Jason lui aussi, donc elle a participé à plusieurs manifestations et a apporté son aide à des œuvres de bienfaisance. Julie Jason n'est pas étranger à la grande country music puisqu'il travaille dans un domaine vraiment excellent et ils ont su combiner leurs talents pour en faire un duo explosif. Donc on écoute de suite Six West avec un morceau « What Would Grandpa Do, les Six West ?» Texas Creek, two cane poles, Grandpa and me. Lazy summer day going by so slow. Willie Nelson blaring on the radio. He taught me how to spit, taught me how to cuss. Let me drive his old Ford pickup truck. And anytime he catch me getting out of line, take a hickory switch and tan my hide. I still got his old Randall pocket knife. To this day. Grandpa do. He worked his whole life on the family farm with a dream and a tractor and two strong arms. He used to tell me stories when the chores were through about the Great Depression and World War II. When Grandma died, it nearly took him down. But with some quiet tears and dignity, he laid her in the ground. Shining and the fish are biting on the other side. When I reach a river, it's just too wide to cross. I think about how Grandpa showed hard times who was boss. His homegrown wisdom always sees me through. Oh, and I ask myself, what would Grandpa do? C'était le duo Six West et ils arrivent du Canada. Eh bien, nous partons maintenant avec Holly Dunn. Holly Dunn, donc, excellente artiste texane qui nous a quitté beaucoup trop tôt puisque l'année dernière, donc, elle nous a quitté à l'âge de 59 ans.
Elle avait sorti 10 albums et placé 9 titres dans les charts. Une belle voix pour de beaux albums, bien sûr. C'est vraiment un dommage. On la retrouve ce soir aux côtés de Monsieur Michael Martin Murphy pour un somptueux duo. Et on écoute de suite Holly Dunn et Michael Martin Murphy, A Face in the Crowd. C'était donc un superbe duo, Madame Holly Dunn et Monsieur Michael Martin Murphy. Et bien, nous partons maintenant avec Monsieur Rodney Foster, artiste américain né en 1959. Il s'est fait découvrir à travers l'excellent duo Foster and Lloyd aux côtés de Monsieur Bill Lloyd. Les albums, on peut encore en trouver, et là aussi, c'est du régal.
Donc, il a écrit pour lui-même et bien sûr pour d'autres artistes, Monsieur Rodney Foster. Ses chansons ont été reprises par Gary Allan, Sarah Evans, Keith Urban, Jack Ingram et bien d'autres. Il a enregistré 11 albums entre 92 et 2017. Vu lui aussi à Craponne sur scène, c'était vraiment du régal. Eh bien, on l'écoute de suite aux côtés de Madame Chelly Wright en duo avec un morceau Scary Old World, Monsieur Rodney Foster et Chelly Wright. Tell who's really your friend. But there's not much that I'm sure of, but one thing's a gospel truth. I wouldn't be so damned afraid, oh, it's on the evening news. If I could just wake up every morning lying next to you. Hold on to me another minute, treasure every second while we're in it. This love so strong, baby, let it linger on. Hang on tight and let's chase tomorrow. Share the dream, survive the sorrow. This scary old world, baby, honestly, it sure use lovers just like me. True lovers do. I need you right here with me every single step. I'll give you this heart and soul and pray that God will help. Be your shelter from the storm till my dying breath. Hold on to me another minute. Treasure every second while we're in it. This love so strong, baby, let it linger on. Hang on tight and let's chase tomorrow. Share the dream, survive the sorrow. This scary old world, baby, honestly, it sure is lovers just like you and me. Monsieur Rodney Foster et Madame Chelly Wright en duo. Eh bien, nous continuons parce que l'heure avance et vous êtes toujours avec Claude dans l'émission Country Valley sur les 103.1 de la radio RVL à Épouville. Eh bien, nous continuons notre balade à travers le monde de la country et nous partons maintenant avec Monsieur Darren Kozelski. Darren Kozelski, originaire du Texas, mais bon, ses origines plus lointaines, évidemment, vous avez compris qu'elle n'était pas originaire, elle n'était pas de fin compte américaine.
Mais lui, Darian Kozlowski, eh bien, lui est originaire du Texas. C'est là où il est né. Il a grandi dans le monde de la country en écoutant son père dans la boutique familiale. Et il a sorti plusieurs albums que je vous recommande. Là aussi, c'est du géant. Donc, nous l'avons vu sur la scène de Craponne. C'était génial. De la bonne et pure country music. On écoute Darian Kozlowski avec un morceau Only Just Your Friend. Monsieur Darian Kozlowski. Monsieur Darian Kozlowski, donc on continue avec un très grand de la country music. Je parle bien sûr de monsieur Willie Nelson. Quand je dis un très grand, c'est un très grand. Donc cet artiste géant de la country music qui était donc acteur, enfin qui est toujours acteur, producteur, chanteur, guitariste de musique country. Son nom est attaché au phénomène Outlaw Country, toute l'époque Johnny Cash, Waylon Jennings et autres. Donc, artiste
84 ans quand même, et il fait encore des ravages sur scène. 55 albums sortis entre 1962 et 2008, je ne compte pas les films, c'est du géant. Monsieur Wilson, on l'écoute de suite avec Monsieur Merle Haggard et un morceau géant de son répertoire, Pancho and Lefty. Monsieur Wilson et Monsieur Merle Haggard. Living on the road, my friend, was gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron, and your breath is hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seemed. She began to cry when you said goodbye. Sank into your dream. Pancho was a bandit boy. His horse was fast as polished steel. He wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Well, Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying words. Oh, but that's the way it goes. All the Federalists say they could have had him any day. They only let him slip away out of kindness, I suppose. Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. But Dusty Pancho, a bit down south, ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Pancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to. Nobody knows. All the Federalists say they could have had him any day. We only let him slip away out of kindness, I suppose. Cleveland's cold, and so the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. We'll save a few for Lefty too. He only did what he had to do. And now he's grown old. Oh,
messieurs Willie Nelson et Merle Haggard, deux géants de la country music. Eh bien, nous repartons maintenant en Australie avec Diana Corcoran, donc artiste australienne de 38 ans, dotée d'une superbe voix. Elle a donc enregistré jusqu'à nos jours 6 albums. On en a 2 entre les mains. Elle a été nominée à plusieurs reprises au CMAA, Country Music Australian Association, et a remporté donc plusieurs récompenses. Excellente artiste. On l'écoute de suite, Diana Corcoran, avec I Just Want My Happiness Back, Diana Corcoran. Diana Corcoran, et elle nous arrive du Canada. Nous partons maintenant au Texas. Nous allons terminer notre émission avec cet artiste, jeune et talentueux chanteur texan. Il se produit plus de 175 fois par an. Il a autoproduit son premier album en 2005 et le second en 2008. Cet album enregistré entre 2005 et 2015, belle performance pour cet artiste né en 1985 à Austin, Texas. On écoute de suite Monsieur Kyle Park, lui aussi vu en France, et on l'écoute avec I Think You're In Love, Monsieur Kyle Park. I
at the sound of my name? Does your heart skip a beat at times that you can't explain? Do you feel lightheaded when you see two kissing, and all you can think about is what you're missing? Baby, if you do, I think you're in love. Do you stare at the clouds looking for my face? Or count the number of hours until the next time we embrace? Do you wait by the phone just to see if I'll call, or laugh out loud for no reason at all? Baby, if you do, I think you're in love. Fall into my arms, sweet darling, whisper in my ear, sweet nothing. Dream about me when you're wide awake, or nearly lose your breath with every kiss that we take. Do you call your friends to tell them how you feel, or pinch yourself to make sure it's for real? Baby, if you do, your heart skip a beat at times that you can't explain? Do you feel lightheaded when we start kissing, and all you can think about is Mr. and Mrs.? Baby, if you do, I think you're in love. Baby, if you do, cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies. Eh bien, chers auditeurs, notre émission touche déjà à sa fin. Une heure passe très vite. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Un bon week-end. À la semaine prochaine. Et keep it country. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cries.